présente Yukiko. C'est la personne la plus solaire que je connais. C'est deux jours de bonne humeur. Je ne sais pas comment elle fait. Merci. Et puis, je vais présenter Tomoe, Matsui, mais on n'a pas Tomoe, puis c'est tout. Ils sont très bien. Comment elle en est arrivée à chanter des choses comme ça? C'est un peu bizarre pour une japonaise, mais je vais vous raconter l'histoire, c'est un peu compliqué, je vais essayer de résumer. J'ai un époux japonais qui a un groupe de musique qui me dévoile de la Renaissance, qui a très connu le Japon, qui a eu beaucoup de prix, qui a fait des tas de tournées en France avec elle. Parce qu'elle est venue vers moi, je crois, elle avait 18 ou 20 ans, en me demandant d'apprendre le français pour pouvoir chanter en français. Elle a appris à chanter en français, très bien, mais le français, c'est autre chose. Mais c'est pas grave. Et voilà, depuis ce temps-là, elle se glisse dans le groupe de musique ancienne, c'est pour ça qu'elle chante les trouvailles de troubadour, et puis elle est tombée amoureuse du chant grégorien. Elle est partie faire un stage à l'abbaye de Bayeux, chez les bonnes sœurs, et elle est revenue avec un répertoire très très varié. Et puis, bien sûr qu'elle aime les choses de son pays, c'est ce qui va suivre maintenant. Et puis, elle chante tout un tas de choses, mais elle a quasiment quitté l'opéra. Dans la partie qui suit, c'est tous les japonaises. Et il y a un morceau qui s'intitule La fête au village, Mura Matsuri, ou La tombe des tambours. Et puis il y a aussi un morceau qui s'intitule Shintin Sagonorama, c'est la fleur de balsamée qu'on va cueillir pour faire du rouge à lèvres pour les mamans. Voilà. Thank you.
Shitoya Amaha Sensukai Koto no katari goto wo kou wa. Oh.
les ans, je viens à Messe et je suis ravie de retrouver les cousins Michel et Annie et toute la famille du fidèle public messin. Merci à tous de tout mon cœur. La chanson suivante parle de la joie et des misères, des rencontres. Je chanterai toujours pour poursuivre mon rêve. Thank you.
cesse de m'attendre. C'est un des plus vieux textes anciens japonais, c'est en langue japonaise, écrit par une femme dans la littérature japonaise. C'est mis en musique par un ami compositeur. Là, elles vont chanter la chanson fétiche de Fukushima Hana, qui est devenue vraiment connue dans le monde entier et adoptée par plusieurs groupes pour la paix. Hana, la fleur. Oh,
souhait que va venir un morceau du texte, ce bis de la fantasia, je passe la parole à ton boyau. Je rêve d'un monde où tous vivent en paix et droiture. Je rêve d'un monde où toute la nuit sont loin sombre. Je rêve d'âmes toujours libres. Je rêve d'un vent me réchauffant comme un ami. Dans les profondeurs de nos cœurs, je rêve. Thank you.
l'heure de rentrer les enfants. Suivons les cornets, une chanson pour les petits. Je suis aujourd'hui, je suis en train de vous dire, c'est un petit peu